fusion en entier. Donc il existe aussi une deuxième manière de faire, c'est de faire presque la même chose, sauf que c'est dans le sens inverse et avec le pied ouvert. C'est un peu plus facile, mais personnellement, moi je préfère l'autre méthode. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce tuto vous a aidé, likez la vidéo et